Bonsoir, tonton associé. Vraiment, merci de me recevoir chez toi. Merci pour cet été-là. Tu sais que je présente un état grippal. Donc, je me suis dit, malgré ça, il fallait que je passe te voir, tonton associé, parce que tu es le seul oncle qui me reste. Le seul oncle qui a les cheveux blancs en haut, en bas, dans les narines et dans les oreilles. C'est pourquoi, à chaque fois qu'il y a un problème, je viens te voir pour recueillir des conseils, mais aussi te donner des conseils. Parce que l'œuf avait conseillé la mère poule. Donc, tonton associé, quand on est dans un pays où les liens de parenté sont devenus fragiles à cause de la politique, quand tu as un neveu qui est attaché à toi comme je suis, je le fais, il faut apprécier cela. Parce que d'autres disent, oh, on ne peut plus le fréquenter, il a des cheveux blancs en haut, en bas, c'est un sorcier. Parce qu'ils pensent que le fait d'avoir des cheveux blancs signifie qu'on est sorcier. C'est comme le petit là. Tu as vu comment il te traite. Donc, moi, je suis venu te voir parce que je suis passé d'abord par chez ta sorcière de sœur, Karaba la sorcière. Je suis allé lui parler. Ta soeur là que tu avais dit que tu vas lui filer la Bastille. Bon, mais toi aussi, tu es un faux boy, ton associé. Tu as dit que tu devais lui filer la Bastille pour qu'elle apprenne à te respecter. Tu n'as plus filé à respecter. Tu es un faux boy. Bon, moi, je ne suis pas venu parler de ça. Vos histoires, moi, je ne m'occupe pas de ça. Mais je suis venu parce que, ton associé, le pays traverse une passe difficile. Depuis que l'enfant là est tombé malade, toi, mais tu vois les choses qui se passent. J'ai vu même que ton parti là, le salaire, centre des libidos, centre des libéraux réformateurs. Je pensais que c'est centre des libidos, excuse-moi, tonton associé. Parce que les gens, comme ils savent que toi, tu joues toujours au championnat minime là. Donc ils pensent que le salaire là, que le L là, c'est libido. Les gens sont comme ça, tonton associé. Excuse-moi. Donc, je suis venu te parler parce que le pays va mal. Et quand le pays va mal, il faut qu'on court vers les parents pour essayer de se donner des conseils. Parce que le jour où ça va mal, surtout toi, quand je te vois là, tonton associé, tu n'as plus l'âge de courir comme un cabri. Tu as vu même quand les petits là, ils ont fait leur cinéma là. Le coup de feu là. Le coup de feu. Il paraît que toi tu es resté terré, il paraît que tu étais dans une petite là, Ngembe, et que tu as attendu le coup de feu, tu as commencé à trembler. Et tu as dit, mon Dieu, qu'est-ce qui m'a amené ici? Pourquoi je suis venu ici? Tu commences à regretter. Parce que le changement viendra de ma panne. Donc j'ai appris que tu commençais à paniquer, tu étais dans Ngembe, il y a une petite là que tu veux sortir du Ngembe, mais tu as paniqué. Mais c'est comme ça. Le jour où ça a pété, ce sera comme ça. Personne ne s'y attendra. Personne ne s'y attendra. Le jour où ça a pété là. C'est pas la blague là. Ça, c'était la blague. Mais toi, tu sais, tonton associé, moi, quand on était jeune là, tu sais que parfois, les vraies bagarres partaient des jeux. Donc, le jour où ça a pété là, même toi, tu n'auras pas. Tu seras peut-être dans un guembé, tu seras coincé en guembé. C'est pourquoi moi, je dis, à ton niveau, il faut que tu fasses toujours ta part de travail. Parler. Si on ne t'écoute pas, tant pis. Au moins, les gens vont prendre ta part. Même moi, ton neveu, je veux prendre ta part. Si je sais que tu fais ton devoir d'oncle, des notables qui a les cheveux blancs en haut, en bas, dans les narines et dans les oreilles, si tu fais bien ton travail, le jour où ça pète, moi je te défends. Moi je te défends. Ça, je te promets, je jure sur la tête de Caraba, je te promets que je vais te défendre. Mais Caraba, je ne vais pas la défendre. Ah non, 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 je ne veux pas la défendre. Donc là, le pays va mal. La sorcière de Caraba. Elle ne veut pas parler à l'enfant. Moi, je suis passé, avant de venir chez toi, je suis passé par chez elle. Elle ne veut pas parler, c'est même elle qui est en tête. Je ne sais pas par défiance, elle est en défiance avec qui? Je ne sais pas. C'est elle qui est en tête, l'enfant, pour venir. L'enfant est déjà moribond comme ça, là. Il a un pied dans le tombeau, il veut ramener l'enfant. Elle veut ramener l'enfant, que l'enfant vienne encore gérer le pays. Tu connais, le pays des vivants peut être géré par un mort vivant. Toi, associé, même toi-même. Tu vois les choses de Caraba. Tu as vu pourquoi moi je la shoot souvent?
Tu comprends maintenant? Ce n'est pas une affaire de faire dans le manquement. Tu vois pourquoi moi je la shoot souvent? Parce que cette femme, ça c'est quel vampire qui ne finit pas à te associer. On a beau parler, on a beau crier, elle a vraiment le vampire de Caïman. Tant que quand le Caïman mort. Et puis la sorcière, elle m'avait dit, je me rappelle, elle m'avait dit un jour, elle m'a dit non, moi je suis comme un boa, quand j'avale, je ne vomis pas. Donc, elle ne veut pas vomir, elle ne veut pas lâcher le pouvoir là. Elle pense que c'est quelque chose d'éternel. Éternel m'a acquis. Elle se trompe. Je te dis, non, tonton, je te jure, toi tu es mon oncle qui a les cheveux blancs en haut, en bas, dans la narine, dans les oreilles, donc je ne peux pas te mentir. Je ne peux même pas te manquer de respect. Mais je te jure que le jour où ça a pété, Karabala, elle va chier. Ah oui? Elle fait ça parce qu'elle n'a pas encore vu le danger. Parce que l'antilope qui n'a pas encore vu le lion à sa manière de courir. Donc, moi je te dis, il faut que tu parles. Il faut que l'enfant lâche le pouvoir. La seule survie de tout le groupe passe par ces gestes de sursaut patriotique. C'est important. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas si tu as été, toi, à Rabat. J'ai vu Karaba avec papa Anjoua sur la photo. Je ne sais pas ce qu'ils sont allés dire à l'enfant là-bas. Mais il faut dire à l'enfant de lâcher le pouvoir. Non, il ne peut pas tenir. Hein. Je ne le vois pas en train de tenir longtemps. Il a encore peut-être 2 saisons sèches. Après 2 saisons sèches, il va die. Et s'il die, pendant qu'il est au pouvoir, il y aura le désordre. Tu as vu le désordre, là, comment les gens ils se battent maintenant comme des boucs là-bas à la présidence? Depuis qu'il est tombé malade, tu as vu comment les gens se battent comme des boucs. Donc, toi, tu n'as pas de regrets. Toi, tu as fait déjà ton travail. On ne peut pas t'en vouloir. Toi, tu es l'homme du peuple. Donc, tu n'as pas à craindre le changement. C'est par contre ta sorcière de sœur, la Karaba. C'est elle. Elle qui va avoir peur. Parce que quand elle faisait sa sorcellerie, même avec des rivales ou cette démangeaison sexuelle chronique-là, elle tuait les gens. Elle a peur. Parce qu'elle a fait trop de mal. Elle a fait trop de mal, donc elle a peur des changements. Mais quelqu'un qui n'a rien à se reprocher, toi, je ne connais pas les crimes que tu as commis. Hein. Parfois, tu te retrouves avec les petits là, jouer les championnats minimes, tout ça. Parfois, mais je ne connais pas une seule personne que tu as pu tuer. Je ne connais pas. Peut-être, hein, c'est passé inaperçu, mais je ne connais pas. C'est vrai que parfois, tu pètes un câble. Comme une fois là, tu étais allé raser la maison d'une meuf que tu avais sortie d'une guembe. Et après, elle t'a trompé, tout ça, machin, tout ça. Tu as pété un câble, tu as envoyé l'engin aller raser la maison que tu l'avais construite. Bon, j'ai compris. Donc, mais toi, tu as fait quand même des œuvres avec ton parti politique, le CELER là, le centre des libéraux, des réformateurs. Non, centre des libéraux, réformateurs. Ah, tonton associé, je vais avoir des problèmes avec toi. Pardon, tonton associé, je ne veux pas les malédictions. Donc, centre des libéraux réformateurs et non centre des libéraux des réformateurs. Non. Voilà, c'est ça. Tu vois, la situation du pays, ça nous embête un peu parce que, tu vois, je confonds un parti comme le CELER. Au lieu de centre des libéraux, je confonds libéraux avec libido. C'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Donc, vraiment, pardon et demi, tonton associé. Pardon et demi. Faut pas te fâcher pour ça. Donc, ce que moi je peux te dire, c'est parle à l'enfant. Je ne sais pas ce que la sorcière de Karaba est allée lui dire là-bas au Maroc pour que l'enfant veuille revenir encore au pays, diriger le pays. Non, ça c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il faut qu'il laisse le pouvoir. Il faut une transition démocratique pour éviter qu'il y ait des troubles après. Parce qu'à chaque fois qu'un dictateur meurt au pouvoir, il y a des troubles. Tu as vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire après. Donc, nous, on veut un pays apaisé. Nous, on n'a pas un pays de secours. Tu as vu, on a le point avec tout le monde, tonton associé. Surtout le petit, là. Hein? Le petit, on nous a gaspillé. Le roi Iboubou. Ton fameux neveu, là. Tu as vu comment il nous a gaspillé les rapports avec les voisins. Hein? On ne s'entend pas avec les Congolais. Bon, toi encore, tu pourras aller te cacher là-bas parce que ta meuf, elle est là-bas. En fait, ta meuf principale. Elle est du Congo. Tu pourras aller te cacher là-bas. Tu n'as pas de problème. Bon, maintenant, tu sais, tu vas te cacher. Maintenant, les suppléantes de ta meuf là vont aller se cacher où? C'est pourquoi il faut ton doigt associé tout faire pour que le pays soit en paix. Et Ali Bongo
Moi, je ne voulais pas citer le nom de contemporain, mais là, on est entre toi et moi. Il n'y a pas de gens qui nous écoutent. On est seulement deux. Donc, je suis obligé de citer son nom. Ali Bongo. Ali Bongo est out. Je te jure, tonton associé, sur la tête de Karaba, Ali Bongo est out. Tu as vu même le gouvernement, là, c'est la sorcière d'Mboronzo qui a composé ça. Il est out. On ne souffre pas de l'AVC plusieurs fois, tonton associé. Je te jure, sur la tête de Karaba, on ne souffre pas de l'AVC plusieurs fois et en sortir avec ses facultés. Ce n'est pas possible. Parce que les cellules du cerveau, là, ne se régénèrent pas. Tu peux demander au médecin. Toi, tu as eu beaucoup de petites, tu peux me demander au médecin, elles vont te dire ça. Moi, je me suis renseigné. Donc, les cellules du cerveau ne se renouvellent pas. Donc, quand tu as souffert de l'AVC, tu ne peux plus avoir tes facultés comme d'habitude. Ce n'est pas possible. C'est un président légume qu'on aura là. Tu penses qu'on a besoin d'être dirigé par un président légume? Mais les gens vont le manger. Ils vont le manger. Les Gabonais aiment manger les légumes. Donc, il faut que maintenant, on fasse tout pour passer à la transition. Voilà. Maintenant, moi, je t'avais dit la fois dernière, pour éviter tout ça, si on veut, on peut même l'envoyer. Il reste là-bas, même au Maroc. Il y a une maison là-bas. La sorcière de Karaba, elle a payé une maison pour Dia là-bas, non? Dia, la petite fille qu'elle a arrachée à sa ménagère là. Dieu seul sait comment la ménagère là est morte. Et puis, elle a mis l'enfant au nom de Marbongo. Tu connais cette histoire là? Ça, c'est les choses de la famille. C'est pas seulement entre toi et moi. Je ne veux pas crier fort. Dia, ce n'est pas la fille de Karaba. C'est la fille de la ménagère de Karaba qui est morte dans des conditions suspectes. Et elle a pris cet enfant, elle a aligné sur la liste des gens qui sont les héritiers d'Omar Bongo. Et l'enfant là a 3 millions par mois. Une petite fille de 11 ans, 3 millions, tonton associé, toi aussi. Une petite fille de 11 ans va avoir déjà un salaire de 3 millions. Tu trouves ça normal? La petite fille a 3 millions par mois, pendant que les Gabonais souffrent. Toi-même, les petites que tu sors d'une guimbe là, tu me donnes 3 millions par mois. Parce que c'est vrai que toi, avec ton comportement bordélique, on sait que tu sors les filles d'une guimbe. Surtout quand elles te tournent la tête là, quand elles te tournent la tête, tu fais des choses. C'est comme ça. Tu luttes contre la pauvreté des petites. C'est bon. Mais est-ce que toi, tu as déjà donné 3 millions par mois à une fille d'une Gembe que tu sors? Non. Mais regarde, la petite Dia a déjà 3 millions par mois. L'enfant qu'elle a adopté. L'enfant qu'elle a adopté. Et elle-même, la sorcière de Karaba, a 150 millions par mois. Je te dis, je sais de quoi je parle. C'est un ami qui est au trésor, il m'a envoyé les preuves. L'argent est viré du trésor directement à BGFI. Bon, avec tout l'argent là. Avec tout l'argent là que Karaba gagne, elle n'a pas pu faire, elle n'a pas pu faire des économies. C'est vrai qu'il y a un peu qu'elle envoie souvent au petit gars là qui lui fait du chantage de balancer sa vidéo sur la toile. Mais ce n'est pas les 150 millions qu'elle envoie. Ce ne sont pas les 150 millions qu'elle envoie. Donc, va voir Karaba, dit vraiment, pour notre survie, on a besoin de lâcher le pouvoir. Il faut que tu ailles voir Karaba la sorcière, ta sorcière de sœur là que tu voulais et qui te voulait filer la Bastille là. Tu demandes de lâcher le pouvoir. De lâcher le pouvoir, de demander à Ali de lâcher le pouvoir. Le Gabon là appartient aux Gabonais. On l'a accepté, on a tout fait, on lui a fait tolérer la peinture, c'est bon. Il n'a qu'à partir. Il n'a qu'à bouger. Tonton associé, ça c'est que le vampire qui finit pas. Donc, moi, si je viens m'adresser à toi parce que tu es le seul oncle qui me reste, qui a les cheveux blancs en haut, en bas, dans les narines et dans les oreilles. Et des gens comme ça, là, qui ont les cheveux blancs en haut, en bas, dans les narines et dans les oreilles, c'est le seul que les gens puissent écouter. Si on était dans un pays sérieux, c'est des gens comme toi, comme ça, parce qu'ils ne sont plus nombreux. Donc c'est toi qu'on devait écouter. Donc, il faut que tu ailles. Toi, tu as besoin de vivre en paix. Parce que si ça se passe mal demain, tonton associé, tu n'iras même plus dans le Ngembe là. Là où tu as trouvé le coup d'état là. Tu n'iras plus dans le Ngembe. Allez chercher les petites, jouer au championnat minime. Ça va péter. Tonton associé, un pays en guerre, on ne se balade pas.
Toi qui souffres de démangeaisons sexuelles chroniques comme ta sorcière de Sœur Karaba, tu vas encore aller t'amuser dans le Ngembe s'il y a la guerre au Gabon? Toi, tu pourras aller t'amuser. Non. Donc, même pour que ton parti, là, le centre des libéraux des réformateurs, non, le centre des libéraux réformateurs, pour que ton parti là fonctionne, mais il faut qu'on ait la paix. S'il n'y a pas de paix, ton parti là ne va pas se déployer sur le terrain, ne peut plus gagner les élections. Or, le petit qu'on appelle Ali Bongo, là, il ne garantit pas la paix aux Gabonais. Regarde comment il a foutu tout le pays en l'air. Tout à ceci, j'ai même appris que même une pièce de 50 francs devient difficile à ramasser. Il paraît que même toi, tu as revu à la baisse le nombre de tes maîtresses. Il paraît que tu as vu à la baisse le nombre de tes suppléantes, de tes secrétaires de nuit. J'apprends même que tu es obligé de rentrer tôt chez toi. Et même quand ta meuf là, ma tante là, tu fais le reproche, tu dis non, laisse. Toi et moi c'est pour la life et les autres c'est pour la night. J'apprends que tu dis ça maintenant. Or avant tu ronflais jusqu'au matin dehors, mais parce que les temps sont durs. Parce que si tu dors jusqu'au petit matin, la petite, sa marmaille, elle va te demander de payer du pain et tout machin. Les temps sont devenus durs. Mais à cause de ce sorcier, le petit là, et son boy là qu'on appelle Meksa Akombesi, ils ont vidé tout l'argent, ils ont amené. Tu as vu la maison à Kombesi, hein? Et maintenant, j'apprends qu'il va faire le pied de grue là-bas, au Maroc. Et qu'il a même proposé, dans le gouvernement qui va sortir demain ou après-demain, là, il a proposé des gens. Il a même voulu que Mafumbi, Yves Ferland, devienne le premier ministre. Comme ça, ils vont continuer à voler. Parce que Mafumbi, Yves Ferland, c'est mon cousin. Moi, je ne cache pas les voleurs, ton associé. Tu me connais. Yves Ferland, Mafumbi, c'est mon cousin. Mais il fait partie du gang de votre mouroy là, Mexan Kombesi. Donc ils n'ont pas fini. Donc ils n'ont pas fini de voler l'argent du pays. Tout est associé. Donc moi, c'est pas. À la limite, même, tout est associé. Si on arrive à des négociations politiques, même ton parti là, le centre des libéraux des réformateurs, le centre des libéraux réformateurs, on va tout faire pour que ce parti-là soit représenté. Parce que toi, tu as des idées, ton doigt associé. Ceux que les gens me disent, oh, toi, tu parles de ton oncle-là, ton doigt associé, ton doigt associé. Mais tu sais que ton doigt associé, son programme, c'est seulement sur les petites. Ils me disent ça, ils me disent, non, son projet de société, c'est seulement sur les petites, sortir les filles du Ngambé. Voilà, ce sont le projet de société. Mais si toi, tu es spécialiste pour sortir les filles du Ngambé, tant mieux. Parce que tu nourris des familles. Mais c'est pourquoi les gens sont contre ton succès dans la société. Ils sont comme ça. Quand on ne le regarde pas, ils sont comme ça. Ils sont jaloux. Mais moi, j'ai dit aux gens, je ne veux pas nier ton droit associé, c'est mon oncle. Parce que le poussin ne refuse pas sa mère parce qu'elle n'a pas de sein. J'ai dit ça aux gens. Si tu pouvais tout dire de ton droit associé, qu'il souffre de démangeaisons sexuelles chroniques, qu'il se balade avec ça à la main, il peut... Non. Que son parti, c'est le centre des libéraux, des réformateurs. J'ai dit, dites tout ce que vous voulez, mais Toto associé, c'est mon oncle. Et je ne veux pas donc me fatiguer de venir te parler. Donc là, il y a un problème, Toto associé. Le pays va très mal. Le coup d'État, là, je t'ai vu que tu as condamné le coup d'État. Mais Toto associé, ça, c'est un coup d'État, ça. Même quand toi, tu as regardé, tu étais général. Il paraît, tu étais général. Bon, Omar Bongo, là, qui chauffait Karaba, ta soeur, à fabriquer le poste de général de police à cause de toi pour te faire plaisir. Parce que vous étiez dans votre sorcellerie, vous avez tué le commandant d'Abani. Excuse-moi, Toto associé, nous sommes seulement deux qui parlons, personne ne nous écoute. Moi, je suis obligé de te parler. Parce que moi, je dois te dire la vérité. Donc en souvenir de tout ça, vous avez tué le commandant d'Abani, le commandant d'Abani, vous avez tué Douna de Peno, tout ça. Donc, pour te récompenser, il a fait le poste. Il a créé des postes pour te maintenir là à vitam aeternam. Mais sinon, le général de police, ça n'existe nulle part. Quel général de police? Toi, tu as fait quelle guerre, toi? Tu as fait quelle guerre? Tu as fait quelle guerre? C'est pas là quand les petits là ont commencé à faire leur coup d'état, là, tu étais dans le Ngambé, tu as commencé à paniquer. Là, c'est quel général? Donc, pour toi, associé, il faut pas plaisanter. Il y a des choses qui sont... Quand la situation est sérieuse comme ça, il faut prendre les choses au sérieux.
Le petit là, on devait lui envoyer même ses effets là-bas. On pensait que le coup d'État allait réussir. Comme ça, on lui envoyait ses vêtements. C'était même le meilleur coup d'État. Comme ça, il ne rentre plus. On dit seulement, bon, écoute, tu n'es plus président, reste là-bas. Comme on a fait avec Jean-Baptiste Bagaza et Pierre Bouyoya. Il faut faire ça. Comme ça, on dit seulement, bon, tes effets t'attendent là-bas, ne viens plus rentrer. On leur fait ces choses. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais pas. On ne va pas le tuer, on va tuer. Non, mais c'est un gros. Et puis, c'est un gens qui ne durent pas mourir. Les gens qui sont remplis de graisse, là, ils ne durent pas mourir. Même là, c'est Dieu qui a fait un miracle. Pour qu'ils restent là. Mais sinon, les gens qui sont remplis de graisse, là, ils ne durent pas mourir. Donc, nous, on ne veut pas avoir le péché de le tuer. Parce que on n'a pas, on n'est pas comme ça. Nous, on n'a pas le sang des Nigériens. Non. Donc, il faut que tu parles, hein, que l'enfant ne revienne plus au pouvoir, qu'il laisse le pouvoir. Il rentre là, qu'il fasse la passation de service, qu'il passe la main à quelqu'un d'autre. Et le pays va continuer. On va reprendre notre vie normalement. Tu verras Toto associé s'il fait ça. Même toi, tu auras ta cote de popularité qui va monter même auprès de Nana. Tu auras du succès auprès de Nana, Jésus, Toto associé. Jésus sur la tête de Caraba, si ton sorcier de neveu là lâche le pouvoir. Tu vas voir comment tu seras respecté. Même les petits travaux vont te suivre comme des mouches. Je te promets. Ta voiture là deviendra même. Bon, je te dis. Il y a des petites qui vont te suivre comme des mouches si ces sorciers d'Ali laissent le pouvoir. Il faut dire, tu verras que tu auras du succès encore. Hein. Moi, je vais même t'envoyer, je sais pas, il y a un produit que j'ai vu là-bas, je vais t'envoyer ça. Moi, j'avais déjà décidé de t'envoyer les poupées. Tu as dit non, tu ne veux pas les poupées. Tu as préféré que je t'envoie seulement les trucs, les bandes de fort. Moi, je vais t'envoyer ça. Toi, tu es mon oncle. Mais ce que j'ai craint, c'est que tu meurs sur une nana. Parce qu'il faut que tu vois un Gabon nouveau. Un Gabon nouveau, il faut que tu sois là, que tu vois comment on construit un Gabon nouveau. Donc, moi, je voulais te prendre les poupées là, parce que les poupées là ne demandent pas beaucoup de travail musculaire. Les poupées là ne demandent pas beaucoup de travail. Voilà. Oh, les petites de Ngembe là. Oh, t'as associé. Moi, je connais, j'ai vu le truc, ce qui arrive à la Bouba. La Bouba, c'est mon mouroï, mais vraiment, que Dieu me pardonne. Mais ça, je parle entre toi et moi. La Bouba, on est allé à Tchibanga. Faut pas dire ça aux gens, parce que toi, après, tu vas mettre dans les problèmes, t'as associé. On est arrivé à Tchibanga, à l'installation du gouverneur. On est arrivé avec Yamboumbou. Moi, j'étais journaliste à l'Union. Donc, on arrive avec Yamboumbou là. Et puis, il y avait les petites Bapounou là qui dansaient à l'aéroport. Donc, la Bouba a regardé. Il a vu une petite là qui dansait bien, qui faisait. Hein? Donc, c'est comme ça, qui dansait bien le coucou. Donc, la Bouba dit à son. Il dit à son électeur, il dit, ah, il faut me retrouver la petite là. Donc c'est comme ça que le soir, quand on quitte l'aéroport, les gens viennent danser toujours chez Yamboumbou là, sa résidence qui est située derrière l'hôtel d'Alexis Boutamba. Donc c'est comme ça. Il est 17h, les filles là continuent à danser. Et il a remarqué, il a dit, allez, quand tu vois, c'est celle-là que dont je t'ai parlé là-bas à l'aéroport. Il faut que tu me la retrouves. Tout doit associer. Moi, je crains que ça t'arrive. Parce que ce jour-là, j'ai eu pitié, je t'assure. Donc, c'est comme ça que la Bouba dit, non, moi, c'est celle-là que je veux. Donc, à 18h, 19h, on va à l'hôtel. Et l'électeur va lui chercher la petite. Et la petite vient, elle entre discrètement dans la chambre là-bas. Et c'est comme ça que ils ont commencé à danser le coucou là-bas. Mais le général, là, la Bouba, il avait oublié que il avait bu. Il n'avait pas mangé. Il avait oublié qu'il n'avait pas mangé. Donc le ventre était vide. Mais tu connais la petite de Tchibanga là. Oh, ça ne badine pas. Elle amène, il ramène. Il ramène, elle ramène. Il ramène, il ramène. Parce que la petite a dit, il faut que le gars là me sorte d'une guimpe. Elle avait dit, il faut que le général là me sorte d'une guimpe. Elle a vu les galons, général, 4 étoiles ou 5 étoiles. Donc la petite a dit, quand il ramène, elle ramène, il ramène, elle ramène, il ramène. Jusqu'au Quaker. Tout en société. Et après, quand le ministre
Mboumboumi Yakou. Il était ministre de l'Intérieur. Donc, quand Mboumboumi Yakou, vers 20h, envoie maintenant, cherche tous les invités pour passer à table. Et il appelle le camp du général. Il dit, mais où est le général? Il faut l'appeler, on va passer à table. Et il va appeler là-bas. Il va connaître le patron. Le patron dit, non, c'est bon. Il dit à son aide de camp, non, c'est bon, je ne mange pas, je n'ai pas faim. À cause du Mourangou. Et c'est comme ça qu'il est resté. Il a continué, elle ramène, il ramène, elle ramène, il ramène, elle ramène, il ramène, toute la nuit. Et au petit matin, évanoui. Au petit matin, évanoui. C'est pas on a dit, oh, c'est moi-même, j'étais là. Maintenant, la petite, quand elle a vu que le vieux là est évanoui, elle s'est habillée, elle a fait Abana. Elle a taillé. Maintenant, le matin, on se lève pour prendre un petit déjeuner. Le général n'est pas là. Et l'oncle Moubouyako envoie. Moi, je cite les gens, ils sont vivants. Voilà. Donc, Moubouyako demande, dit, mais le général n'a pas mangé hier soir, il faut qu'il vienne prendre le petit déjeuner parce qu'on va continuer. Et on part. Donc, l'aide de camp va cogner. Il trouve le patron évanoui. Oh! Donc, il habille un peu, l'aide de camp l'habille et tout. Et on appelle. C'est Jocelyn Mawumbu, je crois si j'ai bon. C'était mon ami, il était à l'hôpital régional. On dit, allez-y, appelez le médecin-chef pour ranimer le général. Et après, on a ramené à l'hôpital, tout ça. Et Mboumi Yakou ne comprenait pas. Il dit, mais mon général, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ah, vraiment, monsieur le ministre, c'est compliqué. J'ai croisé une petite là. Il dit, ah bon? Donc, c'est comme ça qu'il y a Mboumbou. Il dit, allez, le camp va m'appeler la petite là. Et c'est comme ça que le camp est allé par la petite. Il avait un boubou comme ça, il y avait une poche, il a mis l'argent, il a tiré. Et Yamboumbou a dit, ah, c'est bien ma fille, tu connais faire le travail. Au moins, le général là ne va pas t'oublier. Parce qu'il joue avec les filles de Tibanga. C'est bien fait ma fille, voilà l'argent. Il a donné 300 000. Donc, Toto associé, moi je crains que tu tombes sur des petites comme ça. Mais le général, là, qu'est-ce qu'il a fait? Aussitôt, il a dit à la fille, elle ne reste pas ici. Parce que la fille s'était appliquée pour qu'on l'enlève du Gombe. C'est comme ça que le général a amené cette fille-là à Kébé, lui a trouvé une maison à Kébé. Donc, moi, je crains que toi, avec ton comportement bordélique, là, que tu tombes sur quelqu'un qui va te. Parce que moi, j'aimerais te trouver quand les choses vont changer, ton associé. Tu as vu? Parce que les boucs se battent par catégorie. Donc, c'est parti, on va même changer le nom. Au lieu que ce soit le centre des libéraux, des réformateurs, on va changer ça. Parce que je crains que tu tombes sur une petite comme ça, là. Parce que les petites comme ça dans la ville. Oh! Libreville est risqué. Hein? Libreville est risqué, tonton associé. Ah, Libreville est risqué. Donc, il faut faire attention. Mais tout ça, on verra. Mais pour le moment, la priorité, c'est d'abord de faire partir le type là. Il faut qu'on fasse partir le type là. Hein? Il se met à l'écart, on ne va pas le tuer, on ne va pas faire quoi. Il laisse, il libère le pays. Parce qu'on ne vit même plus dans ton système. Tu as vu que même le championnat minime, tu ne participes plus. On n'est plus à l'aise. Les gens sont comme dans un. Comme ils sont en deuil, dans un pays où ils sont en deuil. Comment tu trouves ça? Et lui, il est tranquille, l'argent avec un petit club de bandits, de recto verso. Parce que tu connais le joueur des projets graines là. C'est le seul gars qui ont beaucoup d'argent aujourd'hui, ce sont les gens qui sont des projets graines. Mais tout en ceci, non, non, on ne peut pas, non, 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 non. Il va encore venir pourquoi? Non, 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 non. On ne peut pas subir les comme ça. C'est bon, c'est bon. Non, c'est bon. Il vient, il fait la passation de service, et puis on passe on fait une transition, et puis on tourne la page, tout en ceci. Le subir encore, non, 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 non. Non, faut pas. Là, même en rêve, je ne veux pas avoir une idée comme ça. Donc, il faut que tu lui parles. Il faut que tu lui parles. Tu dis que là, ce n'est pas bon. Les Gabonais sont remontés. Voyez seulement les réactions des Gabonais quand on a appris qu'il a daï là. Tu as vu les réactions des Gabonais tout associés. Donc il faut qu'ils comprennent qu'on ne veut pas de lui. On ne force pas ton associé. On ne force pas. Les Gabonais n'étaient pas prêts à l'accepter comme président, même en 2009, ton associé. Et celui à qui on presse d'avaler finit par vomir ton associé. Toi-même avec les petites là. Quand tu forces le championnat minime, là, tu vois que ça se passe bien. Tu vois pas que ça te passe pas bien. Donc, moi, je voudrais vraiment t'associer que tu parles.
à l'enfant là, parce que là, le pays va très mal. Toi, je vais m'adresser à toi parce que tu es mon oncle, le seul oncle qui me reste, qui a les cheveux blancs en haut, en bas, dans les narines et dans les oreilles. Moi, je ne veux pas qu'il t'arrive un problème demain quand les choses vont changer, parce que d'une manière ou d'une autre, le pays va changer. Ça, c'est évident, quoi. Aucune situation n'est définitive, hein, toi, associé. Aucune situation n'est définitive. Même les grands tyrans ont fini par partir. Donc, on finira par avoir gain de cause sur ce type-là. Ce pouvoir-là. Les gars-là, ils font l'orgueil là parce qu'ils n'ont pas encore vu le danger. Je t'assure. Parce que toi-même, tu sais, t'auto-associer, que si la poule dit que personne ne verra ses fesses, c'est qu'elle n'a pas encore tourné son derrière du côté où vient le vent. C'est tout. Mais sinon, ce pouvoir-là et les chances-là, il va tomber. Je sais que demain, ils vont commencer par installer le bureau de l'Assemblée. Après, ils vont nommer un nouveau Premier ministre. Enfin, ils vont faire un simulacre de démission du Premier ministre. Après, nommer un nouveau Premier ministre. Après, un gouvernement. Après, le type là va vouloir rêver. Non, 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 t'as pas associé. Il ne faut pas accepter ça. C'est bon, il a monté ses limites. Il nous a montré qu'il ne peut pas gérer un petit pays d'un million 500 000 habitants. Donc, qu'il aille où il veut. Maintenant, si vous voulez même l'envoyer en mariage là-bas au Bénin, chez Akombessi, qu'il reste là-bas. C'est bon. Nous, on ne veut pas. Akombessi nous a fait trop de tort, t'as pas associé. On ne peut pas accepter un mouroï comme ça. Tu viens chez les gens, tu prends toute leur richesse, tu tues les gens. Non, t'as pas associé. Et puis, Akombessi va revenir avec son gang là. Moi, je t'ai vu lancer des appels aux gens, vous faites quoi là-bas, machin. Mais toi, tu veux favoriser le retour du gang, là. Mais toi-même, là-bas. C'est même lui qui dit à ton neveu que non, ton doigt associé, il est sorcier parce que tu vois, tu as les cheveux blancs en haut, en bas, dans les narines et dans les oreilles. Tu trouves un mouroï comme ça, c'est un mouroï poli. Un mouroï comme ça, c'est pas un mouroï poli. Ah non. Donc, moi, je venais te dire ça, ton doigt associé. Parce que tu es mon seul oncle qui me reste, qui a les cheveux blancs en haut, en bas et dans les narines. Je ne veux pas que demain il t'arrive un problème. Et la politique nous a trouvé parentés, elle nous laissera tels. Même si on a des palabres là, on n'est pas d'accord sur certaines choses, mais on finit par se comprendre sur l'essentiel. Et là, l'essentiel là, c'est le départ du type là. Il a été médiocre, ton associé. Oh là là! Oh là là! Il a été médiocre, je t'assure. Je n'ai jamais vu un gars bête comme ça, ton associé. Même si on avait pris un vieux à Kabaga, chez Karaba la sorcière là-bas. Même si c'était un vieux de Kabaga, chez Karaba la sorcière, qu'on avait amené à Libreville pour gérer le Gabon, il aurait mieux fait que ce type-là, Ali Bongo. Franchement, il aurait mieux fait qu'Ali Bongo. Avec tous les moyens qu'on avait. Regarde la dette, comment elle a explosé. On est passé à 5 000 milliards. Tout l'argent, c'est pour prendre, donner à ses copains. Surtout que Akombessi, c'est un gigolo. Et ça, c'est le mouroï que vous voulez avoir, ça. Zéro. Donc, vraiment, non, 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 il ne peut plus revenir. Non, 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 tant de fois associé. Ça, même en rêve, il ne faut pas. Moi, je ne peux pas accepter ça. Donc, il faut que tu lui parles, qu'il laisse le pouvoir. Le pouvoir appartient aux Gabonais. Les Gabonais ont besoin de tourner la page. Ils ont besoin que leur pays, on parle de leur pays positivement, comme on a vu aujourd'hui en République démocratique du Congo. On a tourné la page de Kabila. Bye bye Kabila. On aimerait aussi dire bye bye Ali Bongo. Et qu'on puisse retrouver le sourire. Il faut qu'Ali Bongo nous rende notre sourire. Quand il rentre là, faut il faut qu'il nous rende notre sourire, tantôt associé. Parce que tu as vu là, on était un peu calme. Là, nous, on ne parlait pas depuis un bout de temps. Là. Mais on a fait le mort. C'est pas... Parce que on a fait le mort parce que l'autre a fait le mort. C'est comme ça en politique. Il a fait le mort, donc nous, on a aussi, on a fait le mort. Mais je te dis, ton associé, dès qu'il revient, il va regretter d'être sorti par le flanc de sa mère, là, par césarienne. Il va regretter. Parce que les hostilités vont reprendre. J'ai juste sur la tête de Karaba, il va regretter. Non? Donc, il faut, ton associé, dire à l'enfant de se reposer, de choisir sa santé. Il faut choisir entre la santé et le pouvoir passe. Quand on meurt là, ton beau-frère, Omar Bongo, quand il est mort, il a amené combien de mallettes d'argent avec lui? Il n'a rien amené. Il n'a rien amené avec lui. Donc, quand tu peux sauver ta vie, il faut sauver ta vie. Quand tu peux sauver ta peau, tu sauves ta peau. Parce que la vie est la chose la plus précieuse que Dieu nous ait donnée. Tout ce qu'on a là, les voitures, les maisons, ça reste. Toi qui as 150, qui as 250 mouflets là. Mais quand tu pars, cela, ça reste avec eux seulement. Après aussi, ils partiront. Certaines maisons vont se dégrader. Donc, tu vois, c'est pourquoi il ne faut pas attacher.
trop d'importance aux choses qui ne sont qu'éphémères. Et ça, il faut que tu dises ça même à ta sœur Karaba, Karaba la sorcière, parce que elle a tendance à oublier ça, quoi. Hein? Elle a tendance à oublier ça. Il faut lui dire que non, c'est pas bon ce qu'elle fait. Et il faut qu'elle parle à l'enfant pour dire que l'enfant n'est plus apte à gérer le pays. Il n'y a que les petits voyous là. C'est pourquoi ils veulent le prendre là comme leur momie. Hein? Ils vont faire ça, ils vont faire signer des trucs, le faux truc, même scanner les signatures. Ils ont voulu scanner les signatures. Non? Ils veulent faire ça rien que pour qu'ils continuent à se servir et à épuiser le pays. Et après, tout le monde sera dans le pétrin. Ça, il faut dire stop. Donc, il ne doit pas revenir. Et il faut que tu prennes ton courage. Tu vas voir ta petite soeur à Karaba, la sorcière, que tu as voulu. À qui tu as voulu filer la Bastille la fois dernière là. Heureusement, tu dois plus filer la Bastille. Comme tu ne dois plus filer cette Bastille-là, tu peux aller la voir pour dire non, l'enfant revient, c'est pas bon. Il faut qu'on fasse tout pour qu'il se retire du pouvoir et qu'il laisse le pouvoir aux Gabonais. Les Gabonais décident de qui va les diriger demain. C'est ce qu'il faut faire. Et ce serait plus sage pour toi, associé. Si tu veux continuer à vivre tranquillement, tu veux continuer à jouer ton championnat minime. Du haut de tes 80 saisons sèches, avec les cheveux blancs en haut, en bas, dans les narines et dans les oreilles, tonton associé. Si tu veux continuer à jouer à ce championnat minime, il faut faire ça. Quand tu auras fait ça, tonton associé, tu verras que tu seras quelqu'un respecté. Mais si tu ne le fais pas, tonton associé, tant pis pour toi. Moi, je t'aurais prévenu. Je ne me lasserai pas de venir te voir. De toute façon, je n'ai pas un autre oncle qui a les cheveux blancs en haut, en bas, dans les narines et dans les oreilles. Tu es le seul qui me reste. C'est pourquoi je prends souvent cette responsabilité de venir te voir. Tu as vu qu'aujourd'hui, j'ai rendu visite à beaucoup. J'ai rendu visite à Basile V, ce sorcier-là qui se cache sous le manteau de prêtre. J'ai rendu visite à la sorcière de Mporanso. J'ai rendu visite à ta sorcière de sœur Karaba, de Kabaga. Et puis, j'ai dit, je termine avant de rentrer chez moi. Je passe par ce tonton associé pour lui parler par rapport au retour de l'enfant-là. Que ce n'est pas bon, il n'est plus le bienvenu. Qu'il s'occupe de sa santé et la vie continuera. S'il veut qu'on lui fasse un salaire chaque fin du mois, on va lui donner ça, mais qu'il libère parce que le pays ne veut pas être géré par un handicapé. Ce n'est pas possible. Il a déjà un handicap. On ne souffre pas de l'ABC et sortir de là sans avoir des impacts. Non, il y a toujours un traumatisme qu'on subit. Il y a toujours des séquelles. Donc, il faut dire ça à l'enfant. Et c'est ce que je suis venu te dire aujourd'hui. Tonton associé, merci de m'avoir accueilli chez toi. Tu sais que tu restes mon seul oncle qui a les cheveux blancs en haut, en bas, dans les narines et même dans les oreilles. Et c'est pour ça que je viens souvent te voir avec le même plaisir. Et je reviendrai une autre fois. Parce que tonton associé, tu es un homme bien et il faut savoir faire la part des choses. À très bientôt.